Je me posais beaucoup de questions. Donc hier, ça m'a permis toute la journée de voir, quand on est sorti dans la rue, de voir les équipes, de voir comment ça marchait, pour avoir cette confirmation que j'étais au bon endroit. Comment s'est passé du coup ce week-end? Comment tu l'as vu? Quand tu l'as vécu? Intense, parce que bah, tout ce que j'ai vu, c'est fort. Et ce baptême, comment c'était? Super. Qu'est-ce que tu as vécu dedans notamment? Ben, c'est une renaissance. Hein. Quand j'ai parlé avec les filles, sur mes repentances, oui. Là, j'ai senti un gros poids. Ouais. Un gros poids. Parti. Ouais. Ok. Et toi, Rachel, toi, tu as reçu le parler en langue, quoi. Le Saint-Esprit qui est venu. Comment ça s'est passé du coup? C'était samedi après-midi? Ouais, samedi, on m'a prié pour moi et du coup, c'est venu tout seul. Ouais. Et c'est venu le soir, dans mon lit aussi. Et que, enfin, c'était comment t'as ressenti du coup? C'était un peu bizarre, je me demandais si c'est pas moi qui ai inventé ce que je disais, mais du coup, ça venait tout seul, quoi. Et toi, du coup, Mario, qui a vécu ça un peu de l'extérieur? De l'extérieur, beaucoup d'émotions, puisque en tant que chef de famille, de voir ma fille, mon fils et ma petite fille ici avec eux, de les accompagner, c'est une belle victoire. Totalement, c'est magnifique, ouais. De voir Dieu œuvrer dans votre famille. Waouh, c'est fort. Ouais. C'est une belle puissance. Vraiment, c'est ce que j'ai vu ce week-end, une belle puissance.